Disons merci à notre Dieu, le Dieu créateur de l'humanité, le Dieu créateur de tout ce que nous voyons. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Et les saintes écritures révèlent qu'aucun autre Dieu n'est égal à lui. Et nous croyons cela. C'est pourquoi nous sommes encore là, téléspectateurs et téléspectatrices, pour vous apporter la parole de ce grand Dieu qui vous a façonné à son image. Et nous croyons que vous êtes encore très nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre. Nous voulons vous saluer affectueusement, amicalement, fraternellement. Soyez bénis et nous vous invitons à rester câblés, à être des nôtres du début jusqu'à la fin. Vous serez bénis par la parole que le Seigneur a mise sur nos cœurs. Nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand, tu es puissant, tu es souverain. Et aucun autre Dieu ne peut s'égaliser. Tu es au-dessus de tous les dieux. Reçois la gloire, l'honneur, la magnificence, toutes des choses merveilleuses
que tu n'as jamais cessé d'accomplir dans nos vies. Nous sommes encore là dans ton œuvre. Seigneur, nous prions que tu envoies ton onction sur nous. Mets ta parole sur nos lèvres. Utilise-nous, Seigneur, pour que nous soyons une porte de bénédiction pour tous ceux qui nous regardent. Au nom de Jésus, bénis ta parole. Bénis les moments de prière. Bénis ces instants que nous allons faire dans ta présence. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous allons lire un texte dans 1 Samuel. 1 Samuel, nous sommes dans le chapitre 16. Samuel Pak Balegbanto est à 8 à 2. Et nous allons lire à partir du verset 11 pour nous arrêter au verset 13. Il y a un chose qui est de cœur, à toi, qui est ton lien. 1 Samuel 16, verset 11 à 13. Samuel Banto est à 8 à 2, qui est de cœur, et ton lien. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, et il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, un-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Aïe, Samuel, bien, Isaïe, vena, de capu à haut voix, et de nous bena. Et de Vito, Boda, et Alain Clopé. Tete Samuel Glona, Isaïe Bena. Don Amewada Pleve, et la Bena. Nya yindu bango, o va sere sime, wava afisi akafi. Tete wo don Amewada Pleve. Et bien, et ben kuo le re, et ye, o nye ame, pokple. Et ye, Yehoa Globe, tcho, nasi amine, et la Bena, et aye. Tete Samuel cho la josime amile aye wosi ami nele noviao dome aye Yehowa pe gbogbo va David ji cho gbemagbeji aye Samuel jemoi Rama. Amen. 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 Que le Seigneur le Tout-Puissant bénisse sa toute puissante parole. Apeto nous son katatone ira ye pe nous Seigneur. De l'abaissement à l'élévation. C'est le titre qui fera l'objet de notre exhortation avant de prier avec vous. De l'abaissement à l'élévation. Littéralement, l'élévation consiste à prendre de la hauteur. Ça veut dire que la personne était à un niveau avant. Maintenant, il prend la hauteur. Il prend de la valeur. On parle de l'élévation. Lorsqu'on est placé au-dessus d'un lot ou d'un groupe de personnes. Ou lorsqu'on est au-dessus d'une situation. L'être humain peut être élevé à travers ses possessions. Voilà. Il peut aussi être élevé de par sa position. La position sociale. Ou son caractère marqué par des valeurs
divine. Allo e bagbe me asikoko nu yo maupe asikoko nu yo le bagbe me. À travers cela, cette personne peut avoir l'élévation. Présolons. Alléluia. La gloire et l'élévation marchent ensemble. Qui parle de l'élévation parle de la gloire. Et la gloire et l'élévation arrivent dans la vie d'une personne, soit du fait de sa naissance, soit en conséquence d'une action que ce dernier ou cette dernière a menée. To ebe didimelo alonu afoyode ape mechonu amen amen. Ça veut dire là où il est né. Comment il est né? Cela peut favoriser aussi son élévation. Où il y a des situations ou bien des actions que cette personne va mener qui vont le soumettre à être plus vite positionné à un endroit donné. Allô, et pas fort de ado, et ben nous, on va pas grand, à quoi de l'unado, mais. Et par exemple, le fils d'un roi sera élevé au-dessus de ses sujets du fait de sa naissance. Ça, ça passe à commenter. Pour de nous, et fia vie, nous tu via, à quoi grand, maudit, nous kataye la bête, et fia y dit. Amen. Amen. Il est né grand. Parce qu'il est fils du roi. Donc on peut dire de lui qu'il est élevé. Au-dessus de ses fusées. Du fait de sa naissance. Parce qu'il est fils du roi. Et personne ne peut le minimiser. Alors, si nous sommes aussi fils du roi, comme l'Écriture le dit, que notre Seigneur Jésus-Christ que nous adorons est le roi des rois. Alors, nous sommes des princes, et si nous sommes des hommes, nous sommes des princesses, nous sommes des femmes. Ça veut dire que tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus sont des enfants du roi. Et le roi dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Et la Bible même le qualifie le roi des rois. Il est le roi de tous les rois. Son royaume ne vient pas de ce monde. Pour l'heure, le règne de Christ est partiel. Son règne est à moitié pour le moment. Mais le temps arrivera où le Christ va régner totalement. La deuxième moitié de son règne arrivera s'ajouter à la première. Et il va régner totalement et parfaitement. Et là, Christ prendra l'autorité dans les cieux et sur la terre. Et ça va être visible. Et ça va être aussi naturel et ça va être aussi charnel. Ça ne va plus être seulement spirituel. Comme ce fut le cas aujourd'hui. Alors nous sommes déclarés enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Prince, parce que le roi des rois, Jésus-Christ, qui nous a sauvés, nous sommes ses enfants. Amen. Donc, parlant de la nouvelle naissance, parce que nous étions enfants de quelqu'un avant de devenir enfant de Dieu. Nous étions enfants du diable. Mais le jour où nous avons reçu notre Seigneur Jésus dans nos vies,
comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Il y a un mécanisme spirituel qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est une conviction qui naît dans la vie de la personne qui donne sa vie à Jésus. Et depuis ce jour-là, ce dernier est déclaré enfant de Dieu. Et comme nous venons de le dire en exemple, que le fils du roi est élevé de par sa naissance, parce qu'il vient d'un roi. Nous aussi, depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, et que nous naissons de nouveau, nous sommes aussi déclarés élevés au-dessus de nos sujets de par notre naissance. Amen. C'est comme l'enfant du roi qui naît. Donc nous devenons enfants de Dieu, nés de nouveau à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Alors depuis notre nouvelle naissance, nous sommes aussi déclarés né de nouveau, mais déclaré élevé au-dessus de toute situation, au-dessus de toute hauteur, au-dessus de toute personne, parce que nous sommes de Dieu, nous sommes du roi des rois. Ça veut dire que nous quittons l'abaissement pour arriver à l'élévation. Sans le Christ, nous étions dans l'abaissement. Maintenant que le Christ est en nous, nous sommes déclarés élevés. C'est pourquoi nous disons de l'abaissement à l'élévation. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous êtes réellement de Dieu, vous devez connaître l'élévation. Que cela soit votre cas. Au nom de Jésus. Et personne ne peut vous ravir cette position. Personne ne peut vous dire le contraire. Si vous êtes de Dieu, vous devez connaître l'élévation. Rien ne doit vous empêcher. Vous devez atteindre cette position. Parce que ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu pour vous. Priez cela. La portion de l'écriture que nous avons lu bientôt qui parle de l'histoire d'Isaïe, de Samuel, des frères de David et de David lui-même. Il faut nous couler Isaïe, David peut faire David peut Samuel. La Bible dit que Dieu envoya le prophète Samuel d'aller oindre un des enfants d'Isaïe et l'Élie roi en remplacement du roi Saül. Alléluia. Il a été envoyé par l'Éternel des armées pour aller un des enfants d'Isaïe. Le père de David s'appelle Isaïe. David peut toi connaître Isaïe. Alors Isaïe a pris soin de regrouper tous ses enfants, tous ses fils. Oui, tout. Sauf David. David. La Bible dit que lui était envoyé au champ. Oui, David était envoyé au champ. David. Et il devait amener les brebis au champ pour les faire manger. Et c'est ça son travail. Donc il n'a pas été convié à ce rendez-vous. Ni son père, ni ses frères,
personne ne l'a considéré. C'est pourquoi il n'a pas été invité. Praise the Lord. Cette cérémonie devait l'échapper. Oui, à l'exception de tous ses frères. Lui seul n'était pas invité. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas considéré. Ça peut arriver aussi dans ta vie. Que tout le monde soit considéré. Sauf toi. Mais écoute, si Dieu te considère, si Dieu te valorise, ce qui est écrit sur toi arrivera. David était derrière les bêtes, mais l'Éternel le cherchait. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas si ton cas est comme David. Il était derrière les bêtes dans la brousse, mais Dieu a besoin de lui dans le royaume. Dieu veut lui confier la reine du pays. Dieu veut lui confier le royaume. Dieu veut lui confier la gloire. Dieu veut le positionner. Dieu veut l'élever. Dieu veut le mettre à une hauteur. Mais il était au champ. Partout où tu te trouves, nous ignorons cette place. Mais si l'Éternel te faisait grâce, il prendra ta main pour t'élever. Et personne ne peut aller contre cela. Praise the Lord. Alléluia. Le prophète Samuel a pris la Bible et dit, la fiole d'huile, il a commencé, il a voulu ungre un des enfants. Il demandait à tous les enfants d'Israël de passer un à un. Tous les frères de David sont passés un à un. Le plus âgé comme le moins âgé. Celui qui est géant comme celui qui est moins géant. Tous sont passés. Et il a pris la fiole d'huile pour ungre un des enfants. Mais chaque fois, l'Éternel lui dit, ce n'est pas lui. Je ne le choisis pas. À des moments même, Samuel était tenté de verser l'huile. Mais Dieu dit, ce n'est pas lui. Je ne l'ai pas choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons dit tout à l'heure, nous voulons encore le réintégrer. Si Dieu vous choisit, personne ne peut changer cela. Praise the Lord. Alléluia. Et Samuel, la Bible dit, tous les enfants sont passés un à un. Maintenant, il se tourna vers Isaïe. Et il lui a demandé, au verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Alors Isaïe répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Vous voyez la réponse que Isaïe a donnée? C'est le plus jeune qui reste. Il ne l'a pas considéré. Il est enfant. Il n'est pas trop âgé. Il est le plus jeune. Le travail qu'on a jugé bon de lui confier, c'est la bergerie. On l'envoie dans la brousse. C'est le plus jeune. Quand on veut élire roi, quand on veut ungre quelqu'un, comment les grands frères sont là et on va ungre le plus jeune. C'est pourquoi le travail qu'on lui a trouvé, c'est le champ, c'est la bergerie, c'est derrière les bêtes. On l'a minimisé. Personne ne l'a considéré. Alors Samuel va parler. Il dit à Isaïe, envoie le chercher. Partout où il se trouve, envoie le chercher. Et la Bible dit, Isaïe a envoyé quelqu'un aller chercher David. Et quand il était revenu, écoutez les qualifications que la Bible a évoquées sur la personnalité de David.
Bible dit, David était bon au verset 12. Bible a globé, et bien, David bien. Voilà. Était bon. Et bien. Avec de beaux yeux. Et une belle figure. Vous voyez les qualités que l'écriture évoque. Il est pas assis Il est blond. Avec de beaux yeux. Une belle figure. Vous ne pas dire David est beau. Mais il est envoyé au champ. Derrière les bêtes. Vous pouvez être qualifié. Humainement parlant. Mais si Dieu ne vous faisait pas grâce, si la grâce de Dieu n'est pas avec vous pouvez avoir toutes les qualités. Mais ce que Dieu veut vous donner, ça va vous échapper. Le poste où on veut vous positionner, dans votre service, là où vous travaillez, là où Dieu veut vous positionner, vous pouvez être qualifié. Vous pouvez avoir les qualités humaines. Avoir un bon niveau d'études. Avec la facilité de parler le français ou l'anglais. Comme on le dit là, le verbe facile. Mais vous pouvez avoir toutes ces qualités venues d'une famille exemplaire où vous savez vous habiller correctement. Mais vous pouvez avoir toutes les qualités. Mais si l'homme ne veut pas vous positionner, vous n'allez jamais grimper. Mais si Dieu vous fait grâce, vous serez comme David. Vous serez derrière les bêtes. Mais on va envoyer les gens vous chercher. Vous serez au champ. Mais on va envoyer vous chercher. Et vous allez venir. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit. Et lorsque David était arrivé, Dieu va parler au prophète. Dieu va parler à Samuel. Dieu va lui dire. Il dit au verset 12, la partie B, l'Éternel dit à Samuel. Aussitôt que David était arrivé, David dit, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, un-le, car c'est lui. Alléluia. Lève-toi, un-le, car c'est lui. C'est lui le roi. C'est lui le roi. C'est lui le roi d'Israël. C'est lui qui va remplacer Saül. C'est lui que j'ai choisi. Je l'ai choisi. Et je vais le mettre sur le trône. Un-le. Il est le plus jeune des enfants d'Israël. Il est derrière les bêtes. Il est dans la brousse. Mais c'est lui que j'ai choisi. Il est roi. Et la Bible dit, Saül a pris la corne d'huile. Samuel, tcha, la joie, il a versé l'huile sur sa tête. Praise the Lord. Alléluia. Et il est écrit. Il est écrit. Après l'onction de David. Le verset 13 et la deuxième partie. L'esprit de l'Éternel saisit David. Et parti de ce jour dans la suite. Vous voyez? Amen. Le jour où il a été un. Et dans la suite. La Bible dit l'esprit de l'Éternel était avec lui. Et David va commencer à gagner des combats. Il va commencer à gagner des combats. Il va commencer à être influent. L'Éternel est avec lui. Partout où il va, il remporte.
pas de victoire. Oh, partout il va. Il triomphe. Il revient avec la victoire. Il revient avec la joie. Il revient avec l'allégresse. L'Éternel a commencé à le positionner. Jusqu'à ce qu'un jour, David va devenir roi d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle promesse Dieu vous a fait? Quel niveau vous êtes maintenant? À quel niveau vous êtes dans votre vécu? Où êtes-vous? L'Éternel est en train de vous dire que c'est le moment de votre élévation. Les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont pour vous. Le temps de Dieu est arrivé. Le moment est arrivé. L'heure a sonné pour que ce que Dieu a prédestiné sur vous puisse s'accomplir dans votre vie. De l'abaissement à l'élévation. Êtes-vous humilié par une situation? Êtes-vous honni par une situation? Êtes-vous connaissez l'oppression là où vous êtes? Ou bien vous vivez dans l'abaissement? Ou vous vivez dans l'abandon? Le temps de l'Éternel arrive. Pour que votre élévation arrive, Dieu va vous positionner. À vous de le croire. De croire à cela. Que vous êtes devenu enfant de Dieu, né de Dieu, né du Saint-Esprit, nouvelle naissance là est en vous. Vous ne serez plus en bas. Dieu va vous positionner. Vous êtes né grand. Vous êtes né élevé. Comme l'histoire d'un fils du roi qui doit obligatoirement devenir roi parce que son papa fut roi. Si Jésus est roi et nous sommes ses enfants et il nous a sauvés, c'est vrai, c'est vrai que nous allons connaître aussi l'élévation. Prisez-le dans chaque domaine que ce soit. Dans chaque domaine que ce soit. Dans tout ce que tu fais, tu dois connaître l'élévation. Tu dois connaître la hauteur. Tu dois être positionné. Peu importe ton domaine, là où tu te trouves, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois élevé. Dans ton domaine, là où tu te trouves, là où tu te trouves, tu sois élevé. C'est la parole de l'Éternel. À toi de croire. À toi de croire. Et de cesser de sécher tes larmes. Et de croire que ce qui n'est jamais venu dans ta vie, c'est ça que l'Éternel va faire. Ce qui n'est jamais venu dans ta mentalité, ce qui n'est jamais venu dans la vie de quelqu'un de votre famille, c'est ça que l'Éternel va faire. Tu seras la première personne à changer l'histoire de votre maison, de votre famille, de votre église, de votre pays. Tu seras la première personne, comme le cas de David qui a été tiré de la brousse pour être positionné au trône royal. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. De l'abaissement à l'élévation. Tu seras la première personne à connaître l'élévation, à expérimenter ce que personne n'a jamais expérimenté. Que cela soit ici au nom de Jésus. Que les malédictions soient au nom de Jésus éradiquées sur ta vie. Que le sang de Jésus te lave. Et que tout ce qui est malédiction, tout ce qui est recul, tout ce qui est abaissement, tout ce qui est oppression, tout ce qui est honte, tout ce qui est opprobre dans votre famille, dans votre maison, dans lesquelles vous êtes assis, que l'Éternel te prenne par la main et qu'il te tire pour que tu sois positionné.
L'histoire de David, David peut être ton histoire. Si et seulement si tu crois et que tu places ta confiance dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Dieu continue d'élever ses enfants. Que cela soit ainsi dans ta vie. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 D'atteindre leur gloire, d'arriver à une position donnée. Les enfants de Dieu qui sont humiliés aujourd'hui, ils sont déconsidérés, humiliés, moqués, et que c'est les enfants du monde qui sont élevés. Et parfois nous disons non, que ça ne fait rien. Nous ne sommes pas de ce monde. Non, nous sommes des gens du ciel. Donc nous allons tout abandonner. Donc on ne va pas regarder les choses chanelles. C'est faux. Il y aura des situations qui vont prévaloir. Et nous allons chercher de l'aide, nous n'allons pas trouver. Et là, vous allez comprendre que nous avons besoin que des enfants de Dieu soient élevés. Seigneur, que les obstacles soient ôtés. Tout ce qui est obstacle. Moins un David allait être rejeté. Fait qu'on l'a mis dans le champ. On l'a renvoyé dans la maison. On ne veut pas qu'il participe à la cérémonie. Il n'a pas été convié. Tout le monde est appelé. Sauf lui. Moins un. Le royaume allait l'échapper. Mais c'est à cause de ta grâce que tu es allé le chercher. C'est pourquoi nous prions que tout ce qui est obstacle, que voit tes enfants, qui les empêche de grimper, d'être positionnés, de prendre de l'élévation, de prendre de l'envol, que les obstacles soient ôtés. Seigneur, que les efforts soient humains. Que les obstacles soient spirituels, soient démoniaques. Ce que nous disons, c'est que tout ce qui empêche ton enfant d'être positionné, que l'obstacle soit ôté. Si quelqu'un te fait un obstacle, ça fait son affaire. Notre prière, que l'obstacle soit ôté et que tes enfants soient positionnés.
dans le nom de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Ôte les obstacles. Détruis les obstacles. Brise les obstacles. Enlève les empêchements. Devant tes enfants. Devant tes enfants. Devant tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Que l'onction de l'Éternel vienne sur ses enfants. La Bible dit lorsque David était arrivé, Dieu dit à Samuel, exactement, c'est lui, lève-toi et honore Jonas. Oui, que l'onction de l'Éternel vienne sur la vie de ses enfants. Seigneur, nous prions car nous reconnaissons que là où se trouve ton onction, quand ton onction est avec quelqu'un, la personne réussit, la personne prospère. Et nous l'avons lu dans la vie de David, parce que l'Écriture déclare depuis le jour il a été heureux. Et dans la suite, tu étais avec lui. L'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il faisait, il réussissait. Nous prions que ton notion vienne sur tes enfants. Seigneur, un des enfants. Et nous passons l'esprit. L'onction qui était sur David. Et il a été positionné. Et il était écrit sur lui que toi l'Éternel tu es avec lui. Et tout ce qu'il faisait, il réussissait. Nous prions que la même onction qui était sur David soit sur nous. Viens sur nous. Viens sur nous. Sois sur tes enfants. Viens sur tes enfants. Viens sur tes enfants. Que la même onction vous parvienne. La même onction arrive sur tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous demandons cette onction pour le changement. Nous demandons cette onction pour l'élévation, pour le positionnement, pour l'avancement de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus, manifeste-toi, cet esprit de Dieu, manifeste-toi, cet esprit de Dieu, manifeste-toi. C'est un prix de Dieu. Manifeste-toi. Glorifie-toi. Dans la vie des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Caraba Chanta. Les bromacha Kataya. Les Katarama Dinaraba Kurima Shiketea. Confier les activités de tes enfants entre tes mains. Dans chaque domaine que ce soit, nous avons besoin d'être élevés. Que ce soit dans le ministère, en tant que servant et serviteur de Dieu, nous avons besoin de l'élévation. Seigneur, dans les autres domaines, avec tes enfants qui sont dans le séculier, qui entreprennent, qui travaillent, qui sont dans des fonctions données. Seigneur, nous prions que dans
dans chaque domaine que ce soit. Que tes enfants connaissent l'élévation. Que tes enfants soient positionnés à des places élevées. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient positionnés. 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 Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Positionne tes enfants. Élève tes enfants. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vienne sur toi. Toi qui nous regardes, que la gloire de Dieu vienne sur toi. Comme tu l'as entendu tout à l'heure, l'élévation et la gloire marchent de pair. L'élévation et la gloire marchent ensemble. Que la gloire de Dieu vienne sur toi. Partout tu es caché. Que la gloire te cherche. Que la gloire te retrouve. Sors de ton cachot. Sors de là. Sors de la vie au blanc, sors de là. Que la gloire vienne sur toi. Sois élevé. Sois élevé. Reçois le positionnement. Là où Dieu veut te mettre. Là où l'Éternel veut te mettre. Ce qui est écrit sur toi. Ce qui est écrit sur toi. Le plan de Dieu pour ta vie. Arrive dans ta vie. Arrive dans ta vie. Arrive dans ta vie. Arrive dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas le moindre. Mais tu seras positionné. Tu seras positionné. Tu seras positionné. Tu seras positionné. Que le plan de l'Éternel arrive dans ta vie. Ce qui est écrit sur toi, que cela s'accomplit. Que cela porte cher. Que tes rêves deviennent une réalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de David. Il est toujours vivant. Le Dieu de Samuel. Il est toujours vivant. S'il a fait pour David, il fera pour toi. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est redevenu la principale pierre de l'âme. David a été rejeté. Envoyé au champ. Pas son père. Pas ses frères. Mais Dieu la cherche. La pierre que les bâtisseurs rejetaient est devenue la principale pierre de l'âme. Il a été ramené à la maison. Mais le prophète l'a un. Cette parole s'est accomplie dans la vie de David. Que ça s'accomplit aussi dans ta vie. Que la même parole s'accomplit dans ta vie. Que la même parole s'accomplit dans ta vie. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale pierre de l'âme. Que cela s'accomplit dans ta vie. Cette même parole s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ça, cette même parole s'accomplit aussi dans ta vie. Elle s'est accomplie aussi dans la vie de Sarah. Elle s'est accomplie dans la vie de Anne. Qu'elle s'accomplisse aussi dans ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier. Aujourd'hui. Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Thank you.
soyez bénis. Ce que le Seigneur veut que vous deveniez, c'est ça que vous allez dire. Que le Seigneur soit avec vous. Et que la grâce de Dieu vous soutienne. Nous vous aimons. Mais l'Éternel ne nous aime pas des soins. Que Dieu bénisse cette chaîne de télévision. Bénisse son personnel. Bénisse le corps dirigeant. Nous reviendrons encore vers vous dans le même programme. Soyez bénis. Shalom. Bye bye.